Salut à tous, c'est Linsky, aujourd'hui on se retrouve pour enfin, après des mois, dans le premier épisode de la série de l'histoire du Linsky Football Club. Dans cet épisode, on était à la détection du club, car oui, on a besoin de recruter, c'est super important. L'équipe et moi avons donc organisé ça de manière nickel. Cette vidéo va aussi permettre de vous parler de nos sponsors. Et surtout, il faut que je dise, c'est officiel, c'est bon. Nous sommes enfin validés à 100%, on est à 99% dans la vidéo d'annonce, dans le district des Yvelines. On sait pas encore dans quelle poule on va être, poule A ou poule B, mais c'est bon, c'est validé, donc on est hyper content. Notre premier match devrait normalement être le 22 septembre, vu qu'on sera sûrement dans une poule avec un nombre d'équipes impair, c'est peu que l'on commence le 29. On est basé maintenant à Mantes. Il n'y a pas toute l'équipe qui peut continuer la saison, ceux-là qui habitaient vraiment loin. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec vraiment le terrain pur, on va vous présenter les sponsors qui nous ont fait confiance durant cette saison. J'ouvre ma chemise actuellement parce que j'ai un logo Adidas, parce que Adidas est notre équipementier. Check ça, on a déjà tourné quelques petits trucs pour eux, c'est très lourd, merci à eux de nous faire confiance. On va leur montrer qu'ils ont eu raison. On est à Paris dans un studio grâce à Raphaël qui est juste là, en train de faire un petit gif pour Nathan. Franchement c'est très très lourd, le studio il est vraiment qualitatif, j'ai envie de dire très très qualitatif. Notamment Ryan qui est mis en avant de la plus belle des manières, la Copa. Il a fait des gifs, des photos d'une qualité assez élevée et intense qu'on a rarement vu dans le milieu d'Instagram. Et moi j'ai la Nemesis. En fait chacun a son pouvoir. Jaune, technique. Ryan, Copa, technique. Moi j'ai la Nemesis. Libra, force bleue. Alors avant il y a deux forces bleues dans notre team. Désolé, ça c'est quoi Marseille, hein. Je suis désolé. C'est pas grave. Je le tue quand même. Normalement c'est la vitesse, alors Libra. C'est vrai que c'est pas forcément là où il excelle vraiment, mais c'est pas grave. Il y a Nathan qui a la prédateur, montre ta puissance, ta force. Moi c'est l'instinct et c'est vraiment la meilleure de toutes. C'est le tour de Raïm. Là c'est plus compliqué, c'est avoir un petit jeu d'acteur entre guillemets, il va falloir que chacun donne un peu les conditions pour avoir l'affaire. Donc lui il a la Copa, là il y a Raph pour te filmer. Les Copas c'est un peu les chaussures des gens techniques. Donc ça va Raïm, on est dans le thème? Tunisien technique c'est moi. On va commencer la saison, le nouveau pack Hardwired, hyper stylé avec du coup les 4 silos, t'as Nemesis, Predator, X et Copa. Nous avons un nouveau sponsor ventral, ça fait plaisir, qui nous ait fait confiance parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils ont vraiment un esprit un peu fun, un peu fou comme nous, c'est Winamax qui sera sur notre ventre durant toute la saison. Un grand merci à eux de nous faire confiance aussi. On a beaucoup de choses avec eux durant cette saison. S'il y en a qui aiment bien jouer au poker ou parier, je rappelle qu'il faut être bien sûr majeur, et ben il y aura des choses qu'on pourra vous proposer durant la saison. J'étais chez Winamax avec Nathan et Raphaël derrière la caméra. Check ça. Question, est-ce que cette mallette est achetable? Effectivement, ouais, tu peux l'acheter, mais en échange de quoi? Je peux même acheter une Lamborghini. Ça coûte un peu cher. Tu vois, dans la boutique. Ah, mais c'est ça que j'ai avec Winamax, c'est que c'est des fous. En fait, vous allez voir, c'est des fous. Durant toute la saison, vous allez voir qu'on va le truc de fou avec eux. Chez Winamax, donc Winamax TV, donc ils stream continuellement quasiment. 40 heures de live par semaine. Ouais, 40 heures de live par semaine, et donc du coup, ici, c'est le plateau. Alors, on ne pourra pas le voir effectivement, mais tu peux le voir d'ici un peu la régie. Donc autant dire qu'il y a beaucoup d'écrans. Ça c'est notre salle PlayStation. Ouais, tout ça c'est de la musique. Ça s'enflamme tous les midis. Ah ouais. Donc ça joue principalement à PES puisque c'est un des seuls jeux où on peut jouer à 4 contre 4. Vous avez comme une tension qui se pose. Ouais, c'est ça que c'est électrique. Toi c'est quoi ton exercice préféré là-dessus? C'est pas grand chose. Hein. Un maillot Linsky FC qui va pas rejoindre. Là on voit tous les clubs pour la sponsoriser. Merci beaucoup de me faire confiance. Avec plaisir. Merci Nabil pour la visite. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Avec et plaisir. Bonne chance au Linsky FC. Merci, y'a pas de soucis. Je vais vous présenter maintenant le coach du Linsky FC. Venez avec moi. Je vous présente Julien. Bonjour. Julien, bonjour, qui est le coach de l'équipe. Ça, je l'avais pas dit, donc normal, c'est le premier épisode. On peut l'applaudir pour sa promotion. Julien qui sera le coach cette saison. Comment tu l'abordes cette saison? Déjà c'est un réel plaisir. Je reprends le flambeau de Tony, donc c'est un peu de pression. Ouais, c'est bah, gros c'était... big up à lui du coup. Je vais faire les choses bien, je suis grave motivé. Et j'ai hâte de commencer. Là il y a plus de 76 personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc ça va être... c'est vrai, j'ai fait les comptes les gars, tout est là-dedans. Là on a organisé au mieux pour vraiment que ça se passe le mieux possible. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs. Certains ont l'air talentueux, on va voir ça, j'ai hâte de voir et de prendre du plaisir à les regarder jouer. Et qui ici? C'est le mec qui va normalement nous faire beaucoup souffrir, déjà il a commencé un peu à nous faire souffrir. Préparateur physique de l'équipe, je vous présente Romain, ça va? Ça va. Romain qui va intégrer l'équipe. Je suis juste diplômé dans le sport et du coup j'ai mes diplômes de préparateur et de coach sportif et derrière ça je me suis affiné un petit peu sur le foot qui est mon sport à la base. Ouais. Et après sur d'autres sports, mais ça voilà, ça ne concerne pas, mais ce qui va nous permettre déjà de bien bosser nous déjà. Adrien, alors lui ce mec c'est un dingue, c'est que le mec il est tellement motivé par la saison, vous connaissez il est déjà depuis quelques temps, enfin, depuis le début, depuis simplement le début. Depuis le début en 2017. Début, ouais. C'est bon, il a tout arrêté, déjà il mange sainement.
plus. Déjà, déjà c'est la base. C'est la base. Il mange sainement. Il boit de l'eau. Il boit jus d'orange le matin. Beaucoup d'eau. Essentiel. C'est vraiment essentiel. De l'eau. 2 litres par jour. C'est tiré. Ouais, c'est ce qu'il faut. Mais tu bois 2 litres par jour. Ouais. Ouais. Dans l'équipe, il y a un peu les mecs qui viennent de plus loin, un peu comme Nathan et tout, qui viennent plus de régions plus lointaines, on va dire. Et il y a des mecs comme Adrien qui sont là dans le coin en fait. Il y a et les noyaux de, du coup, en fait, ils voient un truc de fou qui est en train de naître, c'est que bah, dans la commune dans laquelle on a grandi, c'est etc., ça. Il se passe des trucs de fou et il a vraiment envie de contribuer au max. Ah, c'est ça, on avait tout donné, hein. Franchement, là, c'est. Moi, je joue avec les copains, ouais. Et nous, on va dire, on a un peu de domicile là, donc. Ça va être que du bonheur. C'est parti pour l'observation du premier match qui va commencer ici. On a donc pendant une heure et demie observé des joueurs, le coach Julien, Raïm, coordinateur du club, Romain, préparateur physique et tous les autres ont organisé ça parfaitement. Et je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines, donc le 20 septembre, pour découvrir nos premiers entraînements, les joueurs qui ont été recrutés et voilà quoi, les premiers ballons touchés. Niveau malheureusement je l'ai pas beaucoup vu parce que j'étais un peu le coordinateur de la détection. Maintenant les gars en tout cas ils ont l'air emballés, Vincent et Julien, donc c'est le plus important. J'espère vraiment qu'il y a des mecs qui ont kiffé. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode, j'espère que vous avez aimé. C'est un peu différent des vidéos que je fais sur ma chaîne principale, parce que là c'est vraiment l'équipe. Et d'ailleurs là j'ai beaucoup parlé, mais dans les prochains épisodes vous verrez plus les joueurs, plus le staff. On commencera vraiment à parler concrètement de football. Allez, à très vite, Common Vince KFC. Donc voilà, la détection va bientôt se terminer. On n'aura pas les noms maintenant, mais ils sont dans le suspense. Oh, arrête de me filmer toi. Arrête de me filmer, mais lui c'est trop.